Alexandre, il faut que tu suives Passe-Temps pour te préparer pour la prochaine aventure. S'il te plaît. Jennifer, tu es donc face à cette toile d'araignée géante. Voilà, après Spider-Man, voici Spider-Woman. Attention, agrippe-toi bien, fais-nous une jolie figure lorsque tu vas évoluer dans ce fort pour ton envol. Bonne chance à toi. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Janine, agrippe-toi bien. Super. Alors, elle a une petite clé dans les mains avec un papillon de couleur. Pourquoi tu prends pas le premier? Parce qu'elle a un papillon de couleur. J'ai une couleur. Alors, je vois pas la couleur qu'elle a dans la main. Ça doit être sûrement le violet, puisqu'elle se dirige vers le papillon violet. Elle va pouvoir ouvrir le premier cocon avec sa petite clé, ce qui va lui donner un indice pour aller au prochain cocon. Il faudra bien qu'elle nous crie la couleur du papillon pour qu'on puisse l'orienter ensuite sur la toile. T'es bien, là? Ouais, elle a l'air tranquille. Ah, te revoilà. Je vois qu'il y a une autre Spider-Man qui prend la relève. Ça va, pas trop mal? Je suis épuisé. À mon avis, les échelles, c'est pas pour moi. Quelle couleur? Rouge. Rouge, là, ok. Tout en bas, en diagonale. Descends en diagonale, ouais, ça sera peut-être plus rapide. Ligne droite. Ça a tellement simple derrière. C'est toujours comme ça, hein. Et en fait... Non, mais j'en veux plus. Allez, super. C'est bien, t'avances bien, là. Ouais, elle est plutôt à l'aise. Ouais, ouais. Alors, de quelle couleur est le papillon à l'intérieur? Vert. Vert. Ok, tout en haut, tout en ligne haut. Droite, tout en haut. Au-dessus de toi. Tu penses. Oh, à mon avis, j'étais pas jaune, hein, mais... C'est normal. Et donc, dans le dernier cocon, elle va trouver un code, Jennifer, qu'elle va nous crier, et ce sera le code du cadenas. Alors, pour récupérer la cartouche qui sera bien sûr le rose. Je pense que c'est le rose. Je pense que c'est... C'est bien, ça avance bien. Bon, faut pas se laisser avoir par le temps, par contre. Voilà. Comme Cham, hein. C'est bien. Oui, mais... Ce serait dommage. Et voilà, le prochain épisode sera Spider-Woman. Je le sens. La relève. Jaune. Non. Comme c'est bizarre. À l'opposé, hein. Un peu. Ah, faudrait pas qu'elle, qu'elle se retrouve suspendue non plus par le câble ici. Parce elle peut pas embarquer avec sinon elle. Sinon, ce serait moyen. Allez, allez. Allez, on y est. Tu me donnais bien la cartouche, il faut pas que ça explose sinon. Allez, 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 allez. C'est logique. Allez, 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 Jennifer, allez, 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 Jennifer. Faut se dépêcher. Peut-être que vous pouvez, Emmanuel, Cécile, vous mettre devant la boîte, devant le cadenas. Dès que tu as le code, Jennifer, tu nous le cries clairement et nous récupère la cartouche. Et ne fais pas tomber le code sur toi à l'intérieur. 31-45. 31-45. Alignez bien 31, le 45. Cadenas. Et là, il ne faudrait pas se faire avoir tout de suite maintenant au cadenas parce que... Ah, elle vient de se lâcher, la mise. Oui, je l'avais mise. Très bien. Oui, super. Oui, ça y est, vite, 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 dépêchez-vous de... Ouais, super, bravo. Génial. Bon, et ben voilà. Et vous pouvez la féliciter. Bravo, bravo. On l'a eu grâce à toi, vraiment, bravo. Un petit cri de guerre. Un cri de guerre, allez, sous la pluie. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, l'espoir, j'espère que vous serez un petit peu plus coordonnés pour la prochaine aventure. Tu peux remettre la cartouche à Passe-Partout. Et on y va, on se dépêche. Allez, allez, on va retrouver Alexandre.